Bonjour à tous, c'est Gamer8950. Pour aujourd'hui, une nouvelle vidéo. De GTA. Comme le titre de la vidéo l'annonce, hein, je vais vous montrer quelques codes de triche. Enfin, vous faire un petit gameplay, puisque je vais pas vraiment vous les montrer, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Je vous mets, c'est un site en fait, je vous mets le lien dans la description. Là je vais vous montrer quelque chose. Là voilà, ils sont énervés. Là, si vous le voyez, la protection s'enlève. Mais là, la vie s'enlève pas. Là je viens fini. Après il y a aussi la police, hein. C'est MI, voilà. Donc voilà comment que ça se passe un peu le GTA San Andreas. Beaucoup de gens essayent, moi j'ai du mal à... Je comprenais pas vraiment comment fallait le télécharger tout ça. Mais j'ai réussi. Je vais vous aider comment télécharger le mode solo et le mode multijoueur par la suite. J'aurai deux vidéos différentes pour le mode solo et pour le mode multijoueur. Voilà. Mais bon, pour le mode multijoueur, il n'y a pas de code. Hein. Vous faites T et puis slash V, vous avez des véhicules, tout ça. Et comment les maps sont modifiées. Voilà, moi je trouve, parce qu'il y a plusieurs sortes de GTA. Pour moi, c'est le San Andreas qui est... Franchement, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et bien sûr, la map est grande que Vice City ou d'autres. J'ai juste Vice City en deuxième que j'avais eu quand il a sorti. La map est plus petite et puis je trouve qu'on peut faire moins de choses. Bien sûr, il y a le nouveau. J'ai bientôt l'acheter. Et faire des vidéos. Le nouveau GTA, il a l'air d'être plutôt pas mal, mais le graphisme, tout ça. Bon, enfin voilà quoi.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis le lien dans la description. Donc, il y a de quoi s'amuser. Il y a des tanks, des hélicos, puis plein de modes, d'autres modes. Donc voilà. Bon, bah, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine. À la prochaine vidéo, on se retrouvera sur un gameplay du multijoueur. Donc, j'irai sur un de mes serveurs favoris. Donc, voilà. Bon, bah, mettez un commentaire si ça vous a plu. Et puis, à plus. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí, sí, sí.